C'est dans ce décor insolite que s'élève la cité fortifiée d'Aigues-Mortes. Le roi Saint-Louis, plus connu sous le nom de Louis IX, reprend la construction de la ville au XIIIe siècle. Elle est pourvue d'une enceinte monumentale de 1600 mètres. Les remparts permettent encore aujourd'hui d'en faire le tour, et 8 siècles plus tard, c'est encore l'un des ensembles médiévaux les mieux conservés de France. La tour Constance, haute de 33 mètres, est le premier édifice à être construit. Elle sert de résidence à Saint-Louis, qui devient ainsi le premier roi de France à bénéficier d'un accès sur la Méditerranée. C'est ainsi qu'Aigues-Mortes devient un des passages obligés du trafic en Méditerranée. Toutes les marchandises qui vont sortir et rentrer du royaume de France passent obligatoirement par la ville d'Aigues-Mortes et devront par la même occasion verser une taxe qui permettra de financer la construction des remparts qui s'étalent sur une trentaine d'années. La tour Constance avait une double utilisation. Elle constituait le donjon du château et d'autre part, vu sa position dans un port, elle avait également la fonction de phare. Mais Aigues-Mortes est loin d'être un paradis pour tout le monde, car à l'intérieur de la tour Constance, on trouvait une prison exclusivement réservée aux femmes. Les conditions d'incarcération étaient plus que déplorables. L'ombre de ces prisonnières plane toujours dans ce donjon. L'une d'entre elles, Marie Durand, enfermée pendant 38 ans, est le symbole de la ténacité. C'est ici qu'elle a gravé dans la pierre un message « Résister ». Cette ville résistera justement une centaine d'années face à la concurrence des ports voisins et des épidémies successives. Mais Aigues-Mortes saura se relever grâce à la présence d'un véritable trésor naturel appelé l'or blanc. C'est au pied de ces remparts que les habitants ont pu cultiver la fleur de sel qui est devenue une tradition ancestrale. Aigues-Mortes signifie eau stagnante, le contraire d'eau vive. C'est pourtant grâce au sel des eaux mortes que la ville est encore bien vivante.